Bien, je vous présente donc l'addition. Alors ici, vous avez fait préalablement l'exercice précédent, il y avait tout sur la même feuille et où il n'y avait rien de dessiné à ce niveau. Si vous avez fait deux, trois fois l'exercice précédent et que ça se passe bien, vous pouvez attaquer cet exercice. Alors ici, il y a trois exercices. Pour simplifier pour l'enfant, vous allez utiliser un papier blanc et cacher ces exercices inutiles en dessous. Et vous allez commencer donc par celui du haut. Donc c'est exactement le même schéma que l'exercice précédent. Donc à part que les nombres de jetons sont déjà dessinés. Donc, vous commencez en disant à l'enfant, deux jetons, mets deux jetons, l'enfant met deux jetons, plus un jeton, l'enfant met un jeton, égale, on déplace tout. Trois jetons. Et on va les dessiner. Jeton. Deux jetons. Trois jetons. Deux plus un égale trois. On écrit ici 2 plus 1 égale 3. Voilà. On continue, on fait le suivant de la même façon. Ici, il y a combien de jetons? Trois jetons. On les met. Un, deux, et voilà un troisième. Voilà, trois jetons. Ici, on va ajouter deux jetons. Voilà, un, voilà un. Trois plus deux. Égal, on pousse tout. Et on les compte. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et maintenant, on va les dessiner. 1. Faire le tour si on veut. 2. 4, 5, 3 plus 2 égale 5. On le marque. 3 plus 2 égale 5. Très bien. Et vous pouvez continuer. Voilà.